Et lui à tous et à toutes, hein, c'est Besti, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau walkthrough qui me tient particulièrement à cœur parce que j'adore ce jeu. Peut-être d'entre vous l'adorent aussi, peut-être d'entre vous ne connaissent pas ce jeu, hein, parce que ce jeu est... Enfin, on va dire il était pas très connu et maintenant il l'est un peu plus. Mais voilà, j'adore ce jeu, donc j'ai décidé de faire un walkthrough, alors 100% ça va être un bien grand mot parce que... y a beaucoup de choses qu'on peut pas trouver, donc voilà, mais on va essayer de le terminer quand même à 100%. Donc je vais parler de Beyond Good and Evil HD. Donc il y a marqué HD, c'est parce que c'est un portage de jeu sur PS3, Xbox 360. Donc voilà, édité par Ubisoft, développé par Ubisoft. C'est alors de l'action-aventure, mais voilà, c'est pas vraiment ça en fait, enfin, vous allez voir de toute façon. Alors c'est sorti le 13 novembre 2003 sur PS2, c'est sorti en février 2004 je crois sur Xbox et GameCube, et c'est sorti le 8 juin 2011 sur le PlayStation Store, et c'est sorti bien avant sur Xbox 360, enfin voilà, il y a plusieurs dates, et c'est déconseillé au moins de 7 ans, me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc voilà, ce jeu, je l'adore tout simplement, bah, vous allez voir pourquoi. Alors, voyons voir les paramètres, sous-titres, on va mettre les sous-titres. C'est bon, ça a été pris en compte, donc là c'est bon. Hop. Donc bien évidemment, comme j'ai changé de PS3 et que... que mes données, quand j'ai sauvegardé, ont été corrompues ou un truc du genre... Je n'ai plus deux parties, donc je vais devoir refaire le jeu avec vous. Hop, nouvelle partie. Donc c'est parti, il y aura une petite cinématique au début et je vous retrouve juste après. La guerre est aux portes d'Ilis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du système 4. Le général Keck, commandant suprême des forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Amis Iliens, le combat va être très rude, mais grâce aux sections Alpha, vous pourrez... Vite, Fenn, saute! Reviens, Paige. J'active le bouclier. Allez, allez! Bouclier activé. Bouclier désactivé. Il manque 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être verrouillée. C'est vrai. Merci de votre compréhension. Entrez dans la maison et... Thank you.
Et voilà, allez, on se lance direct dans le combat. Donc voilà, alors l'histoire, on la comprend pas trop, hein. Enfin, moi, je la connais. Je vais vous la dire juste après, sans vous spoiler. Donc là, on se combat des extraterrestres qui ont avalé des enfants, hein, pour leur énergie vitale, je suppose. Donc, on voit en haut à gauche notre... on va dire notre... notre équipement envers Jade. Ah, petit effet de ralenti. Alors, la musique de ce jeu, elle est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. C'est super. En même temps, c'est Ubisoft qui fait ça, donc... on aurait pu s'en douter. Hop. Donc là, carré pour le combat. Hein. Allez hop, c'est parti. Alors, faut que j'accumule de l'énergie, c'est ça. Voilà. Donc là, on a un compagnon qui vient d'arriver. Alors, quand il y a le bouclier comme ça, faut charger pour ouvrir voilà la voie. On attaque. Donc là, on a notre arme. C'est un bâton magique, apparemment. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, je vous reparlerai des boutons plus tard. Hein. Pour l'instant, je suis concentré. Et voilà, donc bon là on peut se balader un petit peu, avec X on peut esquiver normalement, carré on peut attaquer mais en fait on peut attaquer que si on est en mode combat, donc là c'est pas le cas, rond c'est pour se redonner de l'énergie apparemment, alors quand on appuie sur select on a la carte, alors lecteur en fait c'est, les lecteurs c'est pour sauvegarder, donc ce qui est dommage c'est qu'on peut pas sauvegarder à tout moment. Les perles, alors les perles ça va être un moyen de paiement en fait. Dans certains magasins ils auront besoin de perles et dans d'autres bah, de l'argent tout simple. Et les animaux, alors ça les animaux vous allez voir plus tard. Alors apparemment on peut zoomer, voilà. Avec L1, on peut se déplacer. Ah, étage avec le joystick droit. Donc rond on peut manger. Vous voyez les Starkos. Non, pas faim pour l'instant. Hop, oula, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, le morceau de fromage, en fait, qui est en haut à gauche, ben en fait, ça nous sert à nous redonner de l'énergie. Non, pas faim pour l'instant. Vous voyez qu'on a deux cœurs. Je vais le remettre, voilà, deux cœurs. Alors là, on a notre ami Paige, donc qui a deux cœurs aussi. Alors ça va surtout être sur la coopération dans le jeu, avec justement ce PNJ. Donc Paige, qui est notre oncle, apparemment, notre oncle bah, adoptif. Hein. Vous allez voir aussi que bah, c'est un porc, en fait. Voilà, je suis très perspicace, mais donc c'est un porc, et dans le jeu, en fait, on aura les humains et des animaux comme bah, comme vous avez pu le voir avec les enfants, avec justement ce personnage. Il y aura beaucoup d'autres choses à voir aussi. En faisant start, voilà, donc start, on a les réglages. Alors, en faisant ça... Alors ça, c'est le menu, c'est l'inventaire de Jade, en fait. Donc c'est-à-dire qu'on peut choisir donc les options, les objectifs, les mails aussi, on recevra des mails. Sectionner le personnage, voilà. Donc là on peut sectionner par exemple Paige. On peut voir ce qu'il a dans son sac, voilà, il a des Starkos. Hop, il a les Jet Boost. Jet Boost qu'on verra plus tard. Donc là on a le Daijo, qui est son bâton.
son sac avec Starkos, carte Easy Nut. Alors ça c'est comme une carte de crédit en fait, donc c'est à dire quand dans le jeu l'argent s'appelle des unités. Et donc on aura des unités là-dessus. M-Disc, ça c'est les disques qu'on pourra mettre dans les lecteurs. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour pour le moment. On peut à tout moment parler à les PNJ, enfin aux PNJ plutôt. Merci encore pour ton intervention, Choc. Ça m'inquiète tout ça, Jal. Oui. Les Doms frappent de plus en plus près et de plus en plus fort. Une perle, tu crois que... Bien sûr, tu peux la prendre, c'est précieux. Besoin d'art montant, alors ça c'est au cas où il aurait pu de bouffe, on peut lui en passer, vous voyez que là il a un demi-cœur, enfin un et demi-cœur. Donc voilà, on va pouvoir prendre la perle. Ah, on va pouvoir payer la réparation de l'Overcraft avec ça. Hey, Segundo, tu peux me faire un scan? Ok, Yad. Una perla d'Aramis, bravo Yad. Mais fais gaffe, il te fait un check-up après le combat. Et apparemment, un truc a pénétré ton enveloppe psy. Voilà, donc là on aura en fait tout au long du jeu des perles à collecter. Alors je sais pas combien il y en a, bah voilà, 88. Donc on aura plusieurs moyens d'avoir ces perles, hein. Déjà les combats de boss, par exemple, vous venez de le voir. Des combats avec des monstres, on aura d'autres choses que je vais pas vous dire, sinon je vais vous spoil. Section Alpha, patrouille 21, tout danger est écarté, vous pouvez remonter sans crainte. Ah merci. Voilà, donc ça c'est la section Alpha. Alors l'histoire, oui, je vous avais dit que j'allais vous la dire brièvement, sans vous spoiler, hein, parce que je vais pas raconter la fin. Donc l'histoire en fait, c'est... donc on est sur une planète qui s'appelle Unis, je crois que c'est comme ça. Ou alors Unis, c'est la ville, enfin je sais plus trop. Donc on est sur une planète où il y a des habitants, voilà. Et elle est constamment attaquée par des extraterrestres. Vous venez de le voir, hein, les extraterrestres que je viens de battre. Donc voilà, et pour nous protéger, nous avons les sections alpha, donc comme ça, qui sont comme ça, hein, c'est ce mec-là, les sections alpha, qui est censé nous protéger justement de ces invasions d'extraterrestres. Finalement, bah ça va pas être le cas. Enfin, vous allez voir. Donc voilà. Alors en fait, le sac de Jade, c'est un sac, alors je sais pas si le mot existe, mais un sac interdimensionnel, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle peut stocker tout un tas de choses, alors que vous voyez, son sac est tout petit. Et son sac, en fait, a une enveloppe, enfin, a une intelligence artificielle qui est propre, qui s'appelle Segundo, qu'on a pu voir brièvement, mais qu'on va voir encore dans le jeu. Merci du coup de main. Je vous en prie, mademoiselle. Le devoir des sections alpha est de protéger chaque citoyen d'Ulysse. Voilà, Ulysse, ça doit être le nom de la planète, je pense. Hop, donc on va remonter. Wouhou! Ici, sur Ulysse, la guerre vient encore de frapper la population civile. Heureusement, nos troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps. Je me trouve actuellement au refuge du phare sud. Ici, quelques enfants dont les parents ont été capturés par les Doms sont retenus par deux Iliens au courage et au dévouement exemplaire. Mademoiselle, un commentaire pour nos téléspectateurs. Ouais, ben vous êtes vraiment pas les plus rapides, messieurs les super-héros. Continuez à vous la couler douce, et la prochaine fois, il y aura plus grand-chose à sauver par ici. Coupé ! Hé, hey, t'énerve pas, Pépé, tu vas te faire du mal. Bon, allez les gars, on plie. Go ! Merci, Paige. Sans toi, je... Oh. Jade ! Jade ! T'as-tu vu que le sérum ? Jade ! On ne sait pas ce qui s'est passé. Très mystérieux, tout ça. Comment te sens-tu, ma petite?
Ça va, Paige. Ça va. Toujours pas de courant? Non. Et avec le bouclier en rade, on va pas tarder à se faire bouffer par tous les voraces du secteur. Mais écoutez-moi ce pessimiste. Votre serviteur, Segundo, a trouvé la solution pour les frics. Segundo, on est bloqué ici. Pas d'overcraft, pas de bouclier. Optima nous a coupé le courant. Plus de fric sur le compte. Des unités, hein, des unités, les unités, je vais les faire tomber du ciel, ma poupée. Écoute un peu, la directrice du centre scientifico, elle veut recenser tous les animaux de la planète. Elle paye cash pour n'importe quel portrait de bestiole. Tiens, tu vois par exemple cette bestiole là-bas, tu la prends en photo et crac, annule le jackpot. Même ton chien l'intéresse, belle. Pas encore un de tes plans foireux, Segundo. Faudrait te faire réviser les circuits. Qui peut bien s'intéresser à ce genre de truc? On est en guerre, mec. Mais tu comprends rien à rien, hein, les porcs. Le contrôle des espèces, c'est importante. Yad récupère ton appareil back et tu vas voir si le Segundo, il a les processeurs empourés. Allez, ciao, Bella. Je m'en vais, ciao. Moi, j'adore Segundo, il est trop marrant. Même Paige, tous les personnages sont super attachants dans ce jeu et super drôles. C'est ça qui m'a fait bien marrer. Alors en fait, l'histoire, je viens de vous la raconter, mais l'histoire de Jade, en fait, c'est... Bon, elle a été adoptée, on sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, c'est une journaliste aussi, hein. Une photographe journaliste. Appareil en phase. Ok, Jade, c'est à toi de jouer. Alors, elle est pour prendre l'appareil, donc viser, zoomer, pour prendre la photo. Ouais, donc c'est simple, sélectionner l'appareil dans l'inventaire. Pour accéder aux fonctions canaliseur 2D 3D, photographie des cartes murales 2D, elles seront analysées et converties en données 3D. Ok. Appuyez sur L1 pour passer en mode photo. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Je vois le genre. Hop. Donc là, Ah oui, d'accord, donc... vous voyez à droite que, c'est bizarre ça. Pourquoi je peux aller de gauche à droite comme ça? Voyons à droite le zoom. Alors le zoom, on l'a pas totalement débloqué. Hein. Vous voyez qu'on est bloqué à un certain niveau. Mais on pourra le débloquer si on photographie plusieurs espèces. Hop. Bonjour Jade. Nous avons besoin d'un inventaire complet des animaux encore vivants sur la planète. Bonne chance. Voilà, donc là, on a la pellicule. Au bout de 8 photos, je te transférerai un zoom numérique. Voilà, donc si on prend 8 espèces, hop, on a un zoom numérique. Et c'est aussi comme ça qu'on pourra gagner des perles en photographiant tous les animaux de la planète. Voilà, donc là, on a photographié ça. Alors, on peut photographier autre chose aussi, hein. On peut photographier à peu près tout ce qui arrive. Par contre, ouais, là, par contre, ce que je vais faire... au niveau des options, commande, non, paramètres, contrôle caméra, contrôle visée. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, je suis désolé de cette petite interruption. On va essayer ça. Ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être ça, mais bon. Voilà, on va laisser ça comme ça. T'inquiète pas, ici dans le phare, vous êtes à l'abri. Alors voilà, au niveau aussi des photos, vous voyez qu'on a un cadrage à effectuer. C'est-à-dire on peut pas prendre les photos comme on souhaite. Hop, Homo sapiens. Bravo, Jade. C'est bon, Yad, je transfère les frics minables d'Optima Service. Électricité rétablie. Merci d'avoir choisi Optima Service. Bouclier activé. Beau travail, Yad! Je vais voir au hangar si tout fonctionne. Rejoins-moi là-bas dès que tu peux. On dirait qu'il y a une mission pour toi. Jade, reportage.
M-disque de mission en attente. Ok, alors oui, alors attendez, parce que... Faut que je re-règle ce que j'avais... Ah, là, c'est mieux, là. Ok, donc là, vous voyez qu'on on a beaucoup de choses, en fait, à photographier. C'est très important. Si on veut terminer le jeu à 100%. Muy bonito, Yad. Voilà, un Starcos restaure un cœur. Hein. Espèce déjà répertoriée. Espèce déjà photographiée. C'est bizarre que je peux me déplacer comme ça de gauche à droite. Bon, c'est pas grave. Alors, on va un peu visiter. Hein. De toute façon, je pense pas que je vais faire beaucoup de choses dans cette vidéo. Starcos, vous pouvez en prendre à l'infini. Le sac, est en quantité illimitée. Voilà, on peut fouiller un peu. Alors, je me rappelle que... Où est-ce que c'était? Est-ce que c'est ça que j'ai déjà photographié? Oui, ça, je l'ai déjà photographié. Non. Ah, voilà, celui-là, je l'ai pas... Voilà. Capra Sapiens. Merci pour toutes ces... Voilà, donc elle dit à chaque fois la même chose, la meuf, donc j'ai pas à chaque fois, voilà, vous passez les dialogues. Ah, voilà, t'es là. T'es là, petit truc. Hop, Musca Saprophagia. Merci, Jade. Voilà. Donc il y a des endroits, justement, où ces animaux sont cachés. Et, bah voilà, quoi, c'est assez dur de les trouver. On va visiter un peu le phare. Voilà, donc R2 vous sert à courir, hein, je l'ai pas dit. L2 vous sert à vous accroupir. Hop, je m'en souvenais plus de ça, mais bon. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est capturer le chien. Super. Hop, voilà. On peut aller là. Donc là, c'est la chambre de Jade, j'imagine. Hop, un petit Starcos. Alors le chien, on peut interagir avec lui, vous allez voir ça, enfin je vais pas vous le montrer maintenant. Alors, cette zone nous sert à aller en haut du phare, parce que vous voyez qu'il y a une bestiole là. Et en fait cette bestiole, on peut la prendre en photo, mais je crois qu'il me faut le zoom. Parce qu'en fait il faut qu'on se foute là. Hop. Et il me faut le zoom. Hop. Bon, on le voit pas trop, mais bon c'est pas grave. Des goélands. Eh oui, des goélands. Ah merde, oh, enfoiré, il s'est barré. Je vais voir si je peux pas me rapprocher un tout petit peu. Ah non, il me faut le zoom. Bon, je reviendrai plus tard quand j'aurai le zoom. De toute façon, il y a un moment dans le jeu où vous pourrez aller récupérer un objet qui vous permettra de voir sur la carte tous les animaux qu'on n'a pas encore récupérés. Alors, pour ouvrir les portes, je vous l'ai pas dit, mais il faut appuyer sur carré sur les mains, comme ça. Alors, ceci... Alors, les principes actifs, donc ce sont ces objets, et ben en fait, vous augmente hop, votre cœur. Enfin, vous augmente votre jauge de vie, plutôt. Est-ce que... Toi, je t'ai déjà photographié. Alors, il y a un truc avec le mur, normalement, que vous... Encore heureux qu'on ait les sections alpha pour nous protéger. Il y a un truc avec le mur que vous êtes... Hop. Voilà, donc là, faut entrer un code, mais le code, on l'aura que vers la fin du jeu, en fait. Alors, le chien, on va pouvoir... Hop. Tranquille, hein, pas jouer. Non, waf, non. Alors, le chien, il a un truc dans la gueule, que vous pouvez voir, justement, qui est rose... Qui peut vous aider. Donc on va essayer d'attraper. Où est-ce qu'il est? Ah oui, il est parti dehors.
Alors là, ce qu'il faut effectuer, c'est... Il faut lui courir après. Et voilà, appuyer sur X. C'est tout. Hop. Bon travail. Voilà, donc ces genres de trucs vous restaurent tout vos cœurs, contrairement au principe actif de l'autre fois. Alors, donc là, il y a une bestiole. Je peux pas, j'ai pas encore le zoom. Je me souviens plus trop des boutons. C'est assez perturbant. Alors, il y a aussi des animaux que vous pouvez rencontrer que la nuit, par exemple, ou que le jour. Bouclier désactivé. Oui, je désactive le bouclier parce que ça sert un peu à rien, en fait. Alors, elle, je crois que... Non, c'est bon. Voilà, là-bas, en fait, il y avait des animaux qui étaient assez rares la nuit. Mais là, vu qu'on est le jour, on va peut-être repasser en nuit, en fait. Non. Ah, donc je trouve le jeu assez sympa. Les graphismes, bon, les graphismes sont pas exceptionnels, hein. Je rappelle que c'était un jeu qui était sorti sur les consoles d'avant. Mais voilà, quoi. Je trouve quand même que c'est assez joli. La bande son est tout simplement exceptionnelle. Y a rien à dire là-dessus. Alors normalement la nuit on a des vorax, donc c'est des créatures qui sont assez méchantes. Alors on va attendre un peu. Alors je vais pas parler avec tous les PNJ, hein, sinon ça me prendrait trop de temps. Alors, en plus ce qui est sympathique c'est que dans le ciel on peut voir, il y a marqué voilà... Yuktamo, planète tellurique, enfin plein de petits détails, voilà, qui sont pas exceptionnellement importants, mais qui, voilà, qui apportent un petit plus. Alors le truc qui fait que je photographie, voilà, c'est ce genre de luciole, que je suis encore trop loin. Des luces, ok, ta pellicule est terminée. Bravo Jade. Je te transfère le zoom. Et je réinitialise ta pellicule. Hop, voilà. Alors maintenant, bah, maintenant on aura des... comment dire? On aura des perles maintenant. À chaque fois qu'on finira une pellicule, on aura des perles. Alors là, je vais retourner en haut du fort. Alors les vorax, je les ai pas encore vus. Parce qu'on a plusieurs sortes de vorax. On a des vorax... Je sais plus comment on les appelle, mais je sais qu'il y en a des bleus, qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a des jaunes, je crois, on pourrait dire ça comme ça, des jaunes. Voilà. Ah oui, donc là, je ne peux pas te photographier, parce que le truc, il s'est barré. Eh oui. Ah, voilà. On est obligé d'avoir... Ah, les enfoirés. On est obligé d'allumer le bouclier pour photographier cette bestiole qui est en haut, qui est, je crois, me souvenir, une loutre ou un truc du genre. Par contre, les vorax, où est-ce qu'ils sont? Ça, c'est la petite musique du matin. Et voilà. On les reverra de toute façon, les vorax bleus, hein. Hop. Ah, la musique de ce jeu, mais... De toute façon, j'attends le Beyond Good and Evil 2, qui sort normalement sur la prochaine génération de consoles, mais je l'attends avec impatience. Alors, normalement, je vais pouvoir te capturer. Enfin... En photo, hein. T'es enfoiré. Attends, on voit pas trop avec la lumière, donc je suis désolé. Attends, mais comment... Comment je fais, là? Ils se foutent un peu de moi.
Ah voilà, c'est bon. Une loutre bipède. C'est... Eh oui, donc là vous voyez qu'il y a une perle. Quand ta pellicule sera pleine, je te donnerai une perle. Une perle qui m'attend. Hop. Allons-y. Alors les unités sont importantes justement pour acheter soit les perles qui nous manquent, soit justement de la bouffe pour récupérer de leur vie, soit justement pour avoir plus de cœur, pour avoir l'appareil qui nous permettra de récupérer les animaux. Le chien, il est trop marrant aussi. Alors, on s'approche des... on a dépassé 30 minutes. Jade, reportage. M-disque de mission en attente. Ouais, donc on va faire encore un petit peu de chemin et après on sauvegardera. Hangar. Coucou. Alors, vous pouvez descendre, mais pas pour le moment. Atelier de Page. Coucou. C'est toi, Jade. On vient de recevoir sur M-Disc du boulot pour Jade Reportage & Co. Si tu peux le lire maintenant, ça me permettra de régler ce foutu lecteur décrypteur qui refuse d'obéir à son maître. Ça y est. Voilà, donc les lecteurs, en fait, c'est ce genre de choses qui nous permet d'insérer des M-Disc. Donc, des CD, quoi, en fait. Alors là, il y a un message. Aucune réaction. Ah, qu'on peut pas avoir pour le moment, d'accord. Alors, je sais pas si... Ouais, allez, on va le prendre tout de suite. Monsieur de Castellac, voilà. Et ça, c'est le M10 de sauvegarde, hein, pour sauvegarder. Alors, on va le lire tout de suite, en fait. Hop. Bonjour, mademoiselle. Je suis mandaté par monsieur de Castellac. Cette guerre est une catastrophe pour nous tous. Aussi, monsieur de Castellac aimerait vous confier une mission particulièrement délicate. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'îlot noir, de l'autre côté de la ville. Compte tenu des énormes risques encourus, monsieur de Castellac envisage une forte rétribution. À bientôt. Donc une petite mission, on aura beaucoup de missions comme ça durant le jeu. Tu le connais, ce de Castellac? Hein? Faut pas y aller, Jane. Ça pue le traquenard, c'est trop dangereux. Ma tout est bloc ou quoi? On a besoin de fric pour se protéger de ces merdasses de dames. Tu comprends rien, le porc, hein? Te fais pas de bile, Paige. Ça va rouler. Si tu veux, j'y vais seul. Non. Ok, on y va ensemble. Mais je vais vous coller au masque, et je vous demande pas votre avis. Segundo, check cet ordinateur et mets-y une version complète de ton logiciel. Jade, tu pourras y jeter un œil. Moi, je m'occupe de l'Overcraft qui est en rade. De Dieu, heureusement que je suis là pour tenir tout en ordre dans cette baraque, parce que sinon... Voilà, petite touche d'humour avec le truc qui se pète, là. Ok, ça marche. On est à nouveau connecté sur le monde extérieur. Hop, tais-toi. Tu sers à rien. Donc voilà, là on va sauvegarder et on continuera après en fait. Hein. Hop. Sauvegardons. Ouais, donc je sauvegarderai plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour la suite de Beyond Good and Evil HD sur PS3. Prenez soin de vous et à plus tout le monde les gens.